tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec vous pour une nouvelle recette pour des pains viennois aux pépites de chocolat. Comme ingrédients, il va nous falloir 500 g de farine, 20 g de poudre de lait, 100 g de beurre, 10 g de sel, 60 g de sucre en poudre, 20 g de levure fraîche boulangère, 200 g de pépites de chocolat et 250 g d'eau tiède. Donc tout d'abord, on va mettre notre eau et notre levure dans la cuve de notre bol et on va mélanger le tout. Voilà. Ensuite, on va ajouter notre sucre, notre farine, notre poudre de lait, notre sel et on va mélanger le tout. Une fois que vous avez pétri pendant 10 minutes, regardez, vous avez une pâte comme la mienne. Et là, je viens ajouter mon beurre en 3 fois pour bien l'incorporer dans ma pâte. Une fois que vous avez une pâte comme la mienne, regardez, elle est élastique, souple, elle ne colle pas. Et là, on ajoute les pépites de chocolat. On met notre robot sur vitesse 1 pour juste incorporer nos pépites de chocolat à notre pâte. Surtout ne pas pétrir. Ensuite, on va laisser notre pâte lever 1 heure à température ambiante. Voici ma pâte une fois levée. On va venir façonner des petites boules de 124 g et on va les laisser lever 30 minutes avant de les façonner. Reposer 30 minutes. Voilà, je vais venir façonner voilà mes petits pains. Donc voilà, regardez comment je procède. Hein. Voilà, hop, comme ceci. Et voilà, j'étale et j'enroule. Je viens les badigeonner d'un œuf battu. Je viens les décorer avec des pépites de chocolat. Voilà, regardez. Et je vais les laisser reposer une trentaine de minutes.
Après 30 minutes de repos, on va les enfourner à 200 degrés pendant 20 minutes, à chaleur tournante. Voici mes pains viennois à l'intérieur. Regardez comment ils sont. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous.